Enfants, bonsoir. Quelle joie de vous retrouver pour ce rendez-vous un peu particulier. On peut dire que vous avez de la chance parce qu'on vous a concocté quelques heures d'un programme exceptionnel. Mais laissez-moi vous narrer comment tout cela a commencé. Oui. Je n'étais encore qu'un enfant. Un soir, alors qu'avec ma sœur, je parcourais la forêt sur le petit vélo que mère m'avait offert, j'entendis comme un bruissement dans les fourrés. Et quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir un petit être menu qui me fixait de ses grands yeux tristes. On aurait dit comme une borne kilométrique couverte de bouse, mais avec des petites pattes qu'il agitait en poussant des petits crûments. Bon, c'est amusant parce qu'on aurait juré qu'il disait « Téléphone, Mison, téléphone, Mison !» Mais... vous savez comment sont les enfants, j'ai pris peur et je lui ai mis 3 ou 4 coups de latte dans la tronche et effrayé par mes appels, mon père l'a achevé à coups de chevrotine de la douce. Ce fut ma première rencontre avec un bébé sanglier. Je ne l'ai jamais oublié et c'est ce qui m'a donné l'idée de proposer à Alain Digreff une nuit spéciale, la grande nuit du Marcassin. Il m'a frappé au visage. Oui, quand j'ai roulé sur son bureau et tandis qu'il me rouait de coups de coude, j'ai aperçu le dossier qu'il préparait depuis des mois. La nuit extraterrestre. Viennent-ils? Vivent-ils dans le triangle des Bermudas? Sont-ils proches de nos amis poissons? Quelle langue parlent-ils? Ont-ils fait des études? Sucent-ils des cubes? Hein? Sont-ils solvables? Ont-ils des intentions belliqueuses? Sont-ils aussi cons qu'on le dit? Autant de questions qui restent sans réponse. Et pourtant, nous verrons tout cela ce soir avec des documents exceptionnels compilés par mon filleul, Michel Royer. Chapeau à toi, Michel. Commençons par une petite mise en bouche, voulez-vous, et qui nous vient tout droit de nos amis belges. Oui, qu'on a longtemps pris pour des extraterrestres. Hein? Et pourtant, s'il est un pays qui a attiré les créatures interstellaires, c'est bien la Belgique. Ah oui, et peut-être est-ce à cause de la qualité de ses pralines ou de ses musiciens. Ou peut-être simplement à cause de Michel Vaillant, vous savez, le père de la bande dessinée. Eh bien, retrouvons tout de suite quelques bons témoignages belges. Savez-vous pourquoi, s'il y a des soucoupes volantes, elles viennent plus particulièrement en Belgique? Il paraît que c'est parce que la Belgique est le seul pays en Europe où les autoroutes sont entièrement illuminées la nuit. Le nez en l'air, de nombreux habitants de la région de Verviers ont adopté cette position au mois de novembre dernier. À cette époque, des dizaines de témoignages ont afflué, tous pour affirmer la présence dans le ciel d'objets non identifiés. On était dans la cuisine, ma femme voit une grosse lampe suspendue dans le ciel, et cette lampe a grossi. Plusieurs fois. On a nettement vu qu'il avait une forme triangulaire
Et à chaque extrémité, il y avait un clignotant rouge-orange. Et ça avait l'air assez grand. Moi, j'ai eu l'impression que ça recouvrait les deux maisons jumelées. Donc. On voyait le triangle avec les trois phares et le rouge qui clignait au mieux. Alors on avait arrêté l'entraînement un moment, on avait tous regardé. Vous avez eu peur ? Non, on l'a regardé, c'est tout. Le phénomène aurait été vérifié par radar et c'est peut-être là que réside la grande énigme. En 4 secondes seulement, l'objet est descendu à 1300 mètres. Sa vitesse est passée à 1900 km à l'heure. Accélération fulgurante qui dépasse toutes les performances d'avions connues. Mystère. Finalement, on n'a pas pu déterminer la nature de ces objectifs ou de ces objets, mais on est quand même venu à la conclusion que le comportement n'était pas tout à fait conventionnel. Aujourd'hui, les spécialistes sont formels. L'objet est bien réel, avec une structure triangulaire d'une cinquantaine de mètres de côté. Je ne vois plus rien, moi, de nouveau. Voilà, là, voilà de nouveau. Je ne vois plus rien, de nouveau. Voilà. Je te dis qu'à un moment, je ne vois plus rien dans mon truc. De nouveau, plus rien. Regarde, elle s'éteint, elle se revient plus fort. Ah, elle s'éteint. La nuit du 8 avril, l'OVNI refait une apparition spectaculaire. Toujours cette forme triangulaire et ces trois lumières puissantes. Il y a enfin ces images tournées par un habitant d'Amé en février dernier. Étrange, non ? Ah là là, la merveilleuse Anjouille, hein? Classe. J'ai appris par la suite que le colonel de Brouwer... On a remarqué la chose pendant la guerre du Golfe, oui. Il tirait sur les dauphins en criant « OVNI à tribord, juste aux martiens !» Savait-il, le pauvre homme, qu'il venait ainsi d'être l'objet d'une RR1, une rencontre du premier type ? Assurez-vous, hein, il n'est pas besoin d'être imbibé d'alcool pour voir des soucoupes volantes. Et... à propos d'alcool, je laisse d'ailleurs la parole à mon excellent ami Jean-Claude Bourret. L'histoire moderne des ovnis commence le 24 juin 1947 avec Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, c'est un pilote d'avion professionnel, il est au-dessus de l'État de Washington et il cherche à repérer la carcasse d'un autre avion qui a disparu lorsque soudain, il voit passer 9 disques brillants à très grande vitesse. C'est ici, à peu près à cet endroit, que j'ai vu cet éclair énorme dans le ciel qui a inondé tout l'intérieur de mon avion. J'ai vu cette formation luminescente de machines volantes vraiment bizarres qui s'approchaient rapidement du mont Rainier. Et bien sûr, je n'arrêtais pas de me demander ce qu'étaient ces foutus engins volants que je n'avais jamais vus. Lorsqu'il racontera son aventure étonnante au journaliste, il emploiera pour la première fois l'expression « soucoupe volante, flying saucer ». Mais 1947, c'est aussi le démarrage de la prise de conscience du phénomène OVNI aux États-Unis d'abord, dans le monde ensuite. C'est par hasard qu'une équipe d'astronomes et de caméramen scandinaves ont pu filmer un phénomène exceptionnel durant une mission scientifique accomplie à près de 5000 mètres d'altitude. Deux disques lumineux nettement visibles à gauche de l'écran malgré la mauvaise qualité de ces images
ont été filmés par un des cinéastes durant 10 secondes. Le pilote de l'avion les a estimés situés à environ 30 km, ce qui laisse présumer de leur très grande dimension. 50 personnes ont vu ce phénomène étonnant. Ces disques sont-ils les premières soucoupes volantes à avoir été filmées ? En automne de l'année 1954, tout un bric-à-brac de cigares, soucoupes, disques, cloches, méduses, tuyaux, cornets de marrons et ballotins de papillotes envahit le ciel de notre Occident chrétien. Comme Michel Morgan à Paris, Madame Poulard à Saint-Fargeau, M. Pruneau ou M. Mazot de Marvejol, chacun leva les yeux au ciel pour voir ou ne pas croire à ces mystérieux objets célestes. J'étais absolument hypnotisé par cet objet insolite. Lorsque Chimène me prend par le bras, il me dit « Genre, regarde ce qui vient là-bas !» Nous avons regardé. Alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur, hein. L'avion en réaction n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient, eux autres. C'était du... Vas-y, que je te pousse. Puis on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrevisses, des machines comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz, et des machines de papier qui flottaient derrière. Et ça, là, dire que je ne l'ai pas vu, moi j'ai vu le gros machin qui était en plein milieu, là. People turning south from the freeway were startled when they saw three flying saucers high over Hollywood Boulevard. Et coupé, on se dépêche, on se prépare pour la scène 32. Mais, monsieur, oui. Où est le poste de pilotage? Vous êtes dedans. En place. Burbank Tower. If I were asleep, you'd never get on the ground. In your case, maybe I'll leave you up there for good. Over. You got me that time, Mac. This American flight 812 requesting. What in the world? That's nothing from this world. Burbank Tower to American flight 812. Are you in trouble? Are you in trouble? Hear something? Hear what? I don't hear. Shh, listen. Où les ovnis paraissent plus souvent. Mais oui, après les émissions, Jean-Claude Bourret. Michel, alors, on va parler bien, non, c'est important Bourret. Que je réponde. C'est oui, important bien sûr. Que je réponde. Oh.
je dépose ma bobinette, je prends ma clé, j'ouvre ma porte, et au moment que je vais prendre mon objet pour la rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que je vois, cet engin-là, rouge, cylindrique, gros comme ça. Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté là? Non, j'avais trop peur, moi, hein. Hélas. Moi j'avais peur, hein. J'ai rien peur, hein. Je ne connais rien, mais c'est un danger public, il est bien tout le temps qu'on s'en occupe, hein. À 150 mètres des agglomérations, vous vous rendez compte, vous? À 150 mètres des agglomérations? Mais on ne sait pas qui qu'on a peur, nous. C'est peut-être pacifiquement ou bien quoi, on ne sait pas, nous. Ça serait en plein ciel, je n'aurais pas vu. Mais ici, par exemple, j'ai vu du haut, en bas, à gauche, à droite. On dirait qu'il était sur un coussin d'air, qui était aspiré, j'ai pas, moi, ça ballottait. Mais doucement. Pour une personne appelée à constater un phénomène étrange dans le ciel ou à proximité du sol, il convient donc d'attirer, si possible, l'attention d'autres témoins en n'omettant pas de noter leur nom et leurs adresses pour pouvoir les retrouver ultérieurement. De noter soigneusement et le plus tôt possible l'heure précise et la durée de l'observation, la position du phénomène dans le paysage, la distance du phénomène par rapport au témoin et, si possible, son axe de progression. Et surtout, il convient de vous rendre très rapidement à la brigade de gendarmerie la plus proche afin d'y apporter votre témoignage. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées. Agent Ringo, je vous ai fait appeler pour vous demander un petit service. À vos ordres, capitaine Dédé. Vous avez vu les habitants de l'OFNI, le vaisseau flottant sur la planète Terre? Eh bien, lancez votre appel. Oui, capitaine. Allô, radio spéciale plutonium, lance message bébé uranium, près d'une étoile dans le nord de Cobra. Il me tient dans un champ magnétique, son ordinateur radio atomique. SOS, je ne veux pas de combat. Merveilleux Ringo. Saviez-vous que dans le métier, on l'appelle le gros con? Bon, je trouve que ce n'est pas très fair-play, parce que cette balade, c'est un merveilleux exemple de la créativité que suscitent les extraterrestres dans l'imaginaire moderne. En voici d'autres triés sur le volume. Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. Tu vois, j'avais raison. Cette civilisation est bien primitive. Ils construisent toujours leur maison avec de la pierre. J'espère seulement qu'ils nous accepteront. Je l'espère aussi. Pour eux. Yes, sir. Ah, I'll say.
technologies if we can. Their perceptive faculties are extremely limited. They do observe some of our actions without logical correlations. Perhaps we ought to land in close vicinity of Earthlings sometimes. Surprise, n'est-ce pas? Je me trouve en ce moment dans la combinaison spatiale de mon ami Yuri Gagarin. Oui, le russe. Elle me fut offerte 2 jours avant sa mort. Parce qu'il faut savoir que la conquête spatiale, au départ, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein? Et quand j'ai parlé pour la première fois d'aller sur la Lune à mon ami Armstrong, il m'a carrément ri au nez. Vous savez, de ce rire éclatant qu'ont les hommes quand il joue de la trompette. C'est dommage, parce que la qualité première d'un conquérant de l'espace, c'est sa capacité d'attention. Ne pas se laisser abuser. Toujours rester vigilant. Vigilant et attentif. Et croyez-moi, en termes de vigilance et de scepticisme, il n'y a pas plus chien qu'un cosmonaute. Dans le genre, je ne crois que ce que je vois, les saint Thomas pullulent à Cap Carnaval. Hein. Et pourtant, quelques-uns d'entre eux ont été les témoins de phénomènes inexpliqués et nous en ont ramené des images étonnantes. Thank you, boys, and let's have a look at your image, please. C'est de l'anglais. Magic star above, send a message to my love. At last, the truth about flying saucers. They're real, just as real as Santa Claus. Père Noël, c'était le nom de code utilisé par les astronautes américains pour indiquer la présence de soucoupes volantes à côté de leur fusée. We've had an object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. And it just seems to be tagging along with us. Oh, Roger, Pete. That thing you saw out the hatch at a roll of 35 degrees, we figure there's possibly a slaw panel. That could be true, but gee whiz, when we turned around, I saw one of those slaw panels leaving the area at a high rate of speed. D'autres astronautes ont publiquement admis avoir aperçu ce genre de manifestation. Mon observation d'OVNI a eu lieu il y a longtemps, en 1965, lors de la mission spatiale Gemini 4. Je regardais par le hublot lorsque j'ai aperçu un objet cylindrique auquel était attaché un tuyau. Une photo est sortie après qui ne correspondait malheureusement pas du tout à l'objet que j'avais vu. Cela ressemblait plutôt à des taches de lumière sur la vitre du hublot. Les cosmonautes Vladimir Kovalyanov et Alexander Ivanchenov ont aperçu un OVNI. We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. God,
What is that there? That's Roger. Hollow. That's what the hell is that? Your tango. Tango. There's kind of light there now. Loose communication. Bravo tango. Bravo tango. Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement. Combien de milliers d'années de plus que nous? D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles. Et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. Just add hot water. Merveilleuse réclame. Vous demandez sans doute ce que signifie le vocable youfou. Eh bien, je l'ignore. Sans doute une marque de macaroni. Mais revenons à des choses moins terrestres, mais plus terre à terre, voulez-vous? Et retrouvons nos RR1. Les rencontres du premier type dans la vie de tous les jours. Parce qu'à présent, ces étranges apparitions ont également été enregistrées par de simples mortels grâce à ce qu'on appelle vulgairement un camisco. Eh oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, tout le monde possède un camisco. Même nos amis mexicains, vous l'allez voir. Et dans le cas du Mexique, les caméscopes sont probablement des objets volés, j'en conviens, ou tombés du camion, ce qui explique évidemment la mauvaise qualité des images, donc inutile de démolir votre décodeur. Hein. Allez, place au caméscope. Igual está todo. ¡Ah! ¡Allá! Moi, j'ai vu un ovni qui allait par là. Alla tu cuerpo pa alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo pa alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo pa alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo pa alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Il est là devant. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Effectivement, ce sont des objets extraterrestres, j'en suis sûr. Nous partageons l'univers avec d'autres êtres. Nous, on ne se doutait de rien. On observait la nature et notre ami nous filmait. À un moment, nous avons tous remarqué une tache lumineuse. On avait l'impression que l'OVNI nous faisait une démonstration. Déta, vous êtes là? Déta, non? Vous m'entendez? Chutto. En tout cas. Oui, nous sommes en direct du mont Fuji, mais comme l'éclairage est allumé, je suis désolé, on n'arrive plus bien à voir l'OVNI. Je crois qu'il est par là, vers la gauche. On voit assez nettement une lueur blanche, bleuâtre, qui se déplace lentement. Regardez, il est là. Nous avons un problème technique insurmontable. Si nous voulons filmer l'OVNI en même temps que les gens, on doit allumer l'éclairage et alors on ne voit plus rien. Est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Non, non, rien du tout. C'est bien dommage. Thank you.
Er der på hende? Ja, UFO. Dans la nuit de samedi dernier, un ovni brillait dans les ciels, attirant ainsi l'attention des curieux. Voilà les images d'un amateur qui voyageait de Rio de Janeiro à Vitória dans l'état d'Espírito Santo. Regardez bien, l'ovni brille beaucoup et disparaît. Et à chaque fois qu'il réapparaît, on dirait qu'il se multiplie. La lumière est restée dans le ciel de la ville de Casimiro de Abreu pendant une heure et demie au moins. L'ovni a été vu par des dizaines de personnes qui circulaient sur l'autoroute à ces moments-là. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Moi, je savais que j'étais avec des extraterrestres. Parce que la conscience me disait que cette technique que je vois là est une technique pas humaine. Ce que j'ai vu, c'est deux portes qui projettent deux volumineux faisceaux de lumière blanche très clair, très éclatant sur ma peau. J'ai tenté même de recueillir l'éclat de cette lumière. Quand cette lumière semblait être comme si on jetait de la poussière sur mon corps, je pouffais d'allégresse. Comment me détacher de cette allégresse? Parce que moi déjà, je savais que ça va partir et ça commençait à me causer du regret. Vous regrettez maintenant d'avoir raconté ce que vous avez vu? Foutez-moi la paix. Si ce truc atterrit encore, juste là, à côté de cette pompe, je ne dirai rien. On ne fabrique pas ça ici. C'était des objets volants qui bougeaient de façon inexplicable. Il y en avait des grands, je les voyais très clairement et je ne savais pas ce que c'était. En plus, j'étais avec quelqu'un, donc ce n'était pas le fruit de mon imagination. Vous venez d'être abusé par une merveilleuse illusion d'optique. Oui, ce que vous avez pris pour un engin traversant l'hyperespace n'était rien d'autre que mon cigarillo incandescent, c'est-à-dire mon mégot, tout bêtement. C'est un vieux truc que j'ai mis au point avec Jacques, mon régisseur, et que les Lucas et autres Spielberg de bazar ont utilisé à tort et à travers dans le cinéma. Ouais. Papa, vous savez comment c'est dans le métier, hein? Une bonne idée et on te la pique. Hein?
dit trace de Dieu. Qui dit caleçon dit trace de pneu. Et qui dit soucoupe dit RR2. C'est de la poésie. Nous voici donc déjà dans les rencontres du deuxième type. Ouais. Il arrive en effet que nos amis extraterrestres nous laissent des traces de leur petit passage. Est-ce par distraction, par négligence, ou serait-ce déjà un premier pas vers une communication possible? On regarde. C'est une aventure exemplaire qui illustre de façon parfaite ces observations d'OVNI. Et vous allez vous-même être troublé par ce qui s'est produit un certain soir, alors qu'un homme était occupé à travailler tranquillement dans son jardin. À 17h, le témoin, Renato Nicolai, est en train de construire un petit abri pour sa pompe à eau. Jeudi, le mois de janvier, le 8, là, c'était là. Soudain, un bruit curieux attire son attention. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Comment était cet engin? Ben, l'engin, c'était une soucoupe, hein, si on avait appelé. Hein. Alors, quelles sont les constatations que vous avez pu faire? Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol. Une trace qui, sur les instances des gendarmes et du GEPAN, devait être analysée un mois plus tard. Six laboratoires ont décelé la présence de sodium, de titane et de magnésium. Les analyses ont révélé que le sol a été soumis à un échauffement de 600 degrés. Le GEPAN reconnaît donc qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal. Je disais donc que dans le monde entier, on trouve des traces d'extraterrestres. Hein. Le monde. Bon, regardez, je vous explique. Le monde est comme cette boule. Hein. La Terre, elle est ronde, vous voyez, avec une queue au bout, comme ceci. Hein. Et elle tourne sur elle-même. Et le Soleil est une énorme boule aussi, mais fort chaude. Écoutez, tout cela est... C'est trop scientifique, je crois. Hein? Ce ne sont qu'équations et chiffres impossibles. Mystère en Grande-Bretagne autour de cercles inexpliqués au beau milieu des champs de blé. S'agit-il d'un phénomène extraterrestre? Voilà qui suscite en tout cas la curiosité des scientifiques britanniques. Voici le genre de traces qui rendent plutôt perplexes les experts britanniques et on les comprend. Une dizaine de cercles comme ceux-ci, disposés géométriquement dans plusieurs champs de blé, ainsi que des lignes parallèles au goût étrange venu d'ailleurs. À la fin des années 80, un phénomène proprement extraordinaire s'est produit dans les champs d'Angleterre. Au fil des ans, des motifs sont apparus qui étaient soit des cercles parfaits, soit des ovales, soit des cercles concentriques, ou parfois encore des cercles, des anneaux avec des satellites. Ils viennent de tous les endroits du monde pour voir les champs d'Angleterre, comme attirés par une force magnétique qu'ils ne peuvent combattre. Je suis envahi par les fourmillements. Je crois que je vais m'arrêter là, si ça ne vous dérange pas. Car les énergies y sont très fortes et cela devient très inconfortable. En fait, c'était un canular monté par deux sexagénaires britanniques. Il s'agit d'une énorme farce. Leurs auteurs, deux alertes sexagénaires. Ils ont eu l'idée de cette blague après une soirée dans un pub. L'un se souvenait de cette plaisanterie dans un champ australien. Alors, pourquoi pas en Angleterre? Je vais aller dans le champ, ma petite caille, et je vais te dessiner un cercle. J'ai hâte de voir ça. J'en suis sûr, ma chérie.
Tu vois, je vais poser les bâtons comme ceci. L'artiste Doug Bower prétend être à l'origine des premières formes circulaires découvertes dans les champs anglais. À l'insu de sa femme, il a décidé avec un de ses amis de monter cette énorme mystification. Pour ce faire, ils ont juste eu besoin d'une planche et d'une corde. Au début, les motifs des cercles étaient simples, puis ils dessinèrent des figures de plus en plus compliquées. Tous ceux qui sont convaincus que ces formes ont une origine humaine oublient des données très importantes. L'enchevêtrement des épis et la manière dont ceux-ci sont couchés sur le sol ne correspond absolument pas à ce que l'on aurait trouvé s'ils avaient juste été piétinés par l'homme. Les deux Anglais Doug and Dave ne résolvent pas le mystère des cercles que l'on trouve partout à travers le monde. Nous en avons vu dans la glace, dans des lacs, en Suède, au Canada. Dans trois pays, nous avons trouvé ces énormes anneaux découpés dans la glace. Et le plus étrange, c'est que l'eau ne gèle plus par-dessus. Le lac reste comme ça, avec ses anneaux au milieu. C'est très difficile à comprendre. S'il existe une corrélation entre les ovnis et ces marques mystérieuses, leur présence dans les champs constitue alors la preuve la plus tangible de l'existence d'extraterrestres sur notre planète. Cela signifie-t-il que ces motifs ont été créés par des objets mécaniques pilotés par une forme de vie intelligente ? Il est possible que quelqu'un essaye de nous contacter depuis très longtemps, mais que jusqu'ici, nous n'ayons pas été capables de percevoir ce message. Je crois en effet que ces dessins constituent un réel message. Pas des lettres ou des mots, non. Je crois qu'il s'agit de messages qui s'adressent à notre subconscient, qui touchent une partie de nous profondément enfouie. J'ai reçu quelques appels de spectateurs grossiers et sceptiques qui crient à la pantalonnade. Oh les gars, un bémol, hein? Et je pense d'ailleurs qu'avec les images qui vont suivre, vous n'avez qu'à bien vous tenir, messieurs les indécrottables cartésiens. C'est un document exclusif, Canal Pelu. Et merci bien. J'en profite d'ailleurs pour lancer un petit sondage. Oui, parce que à Canal Pelu, c'est votre avis qui nous intéresse, car c'est votre soirée, c'est votre nuit extraterrestre. Alors donnez-nous votre avis. Téléphonez nombreux et répondez par oui ou par non à la question suivante. Dois-je, oui ou non, me laisser pousser la barbe ? Представьте себе ядерный взрыв мощностью 40 мегатонн. Это в 2000 раз мощнее того, что... Imagine une explosion nucléaire de 40 мегатонн, c'est-à-dire 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Imagine une explosion qui rase une ville comme New York en moins d'une minute. Ça s'est passé en 1908 sous Nicolas II. La première guerre mondiale n'a pas encore commencé et l'arme atomique n'existe même pas dans les rêves des savants les plus fous.
Le cœur de l'impact présumé est situé en plein cœur de la Sibérie, pas loin du lac Baïkal, dans le bassin de la Tunguska. De Bordeaux à Glasgow, les nuits qui suivent immédiatement l'explosion sont éclairées comme en plein jour. Les avis des savants sont partagés. Les uns pensent que la cause de l'explosion était une rencontre de la Terre avec une énorme météorite qui s'est désintégrée dans la couche de l'atmosphère. Les autres considèrent que l'explosion serait due à la chute d'un vaisseau spatial. Un des adeptes de cette théorie, professeur Yuri Lavrin, pense qu'il a trouvé des preuves confirmant cette dernière thèse. En étudiant les échantillons de roches ramenées de la Tunguska, il a trouvé un petit bout de métal qui n'a pas d'analogue parmi les métaux et les alliages existants sur notre planète. Un savant de renommée mondiale, le professeur Vassiliev, a visité la Tunguska plus de 30 fois. Il pense que la Tunguska reste toujours un mystère et que la solution de cette énigme est très importante pour l'humanité tout entière. Je sais que je vous l'ai déjà demandé, mais vous n'avez vraiment aucune idée de sa provenance. On ignore tout de son origine. Mais vous, vous avez une idée, n'est-ce pas? Eh bien, cette roche contient en fait ce qu'on appelle des hydrocarbures polycycliques qui correspondent approximativement à la description de ces fragments de météorites trouvés récemment dans les glaces de l'Antarctique. Ce qui voudrait dire que... Ce que vous avez sous les yeux vient probablement de Mars, et il y a plus de 4 milliards d'années. Alpha reporting. Attack on ships hurtling about to commence. Holy smuggles, a counterattack! Death to Earth! Ouch! Nougat, caramel, milk, chocolate, earthlings recharge on Mars! Cancel the invasion. They have a planet surrounded with thousands of warships. Attack of the flying saucers. Mars attacks. Nos estamos acercando a su planeta. Ha llegado la hora de transmitir nuestro mensaje a los terrícolas. Necesito escucharte. Es una realidad. Tampoco somos actores que estamos representando un teledrama de terror. No, ¿qué va? Somos habitantes del planeta que vosotros llamáis Marte. Hemos interceptado todas las televisiones del mundo. Oh, c'est moche. Je ne veux pas recevoir cette chose dans ma maison. Oh, chérie, il le faudra bien. Le peuple veut que je parlemente avec eux. Our flying saucers bent on conquering the world. People of Earth, attention. People of Earth, attention. Look to your sun for a warning. Look to your sun for a warning. Pero capitán de los Estados Unidos, tell, what the fight do I build to Washington? Za 1000 mille advance et planète, dans la capitale des États-Unis d'Amérique. Thank you.
Something's happening to them. It's dead. Les extraterrestres. Hein? Comme vous venez de le constater, quelquefois, ils ne se contentent pas de massacrer les moissons et de bousiller le travail de nos humbles paysans. Non, et merci bien. Parfois, ils ne se prennent vraiment pas pour de la crotte et ils viennent carrément défoncer nos chaussées et abîmer nos beaux monuments de Paris. Hein? J'en ai même vu qui faisaient hurler une femme avec des images obscènes. En fait, je crois qu'ils s'amusent à nos dépens. Et c'est bien légitime. Nous venons d'entrer de plein pied dans les RR3, les rencontres du troisième type. David Vincent, lui, les a vus. Pour lui, cela a commencé par une nuit sombre, le long d'une route de campagne, tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme rendu trop las par le manque de sommeil pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut trouver un moyen de convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. 2 mai 1976, entre 21h et 21h30, c'est la pleine lune. Dominique Menuge, 21 ans, boucher charcutier, roule à bord de sa voiture dans la forêt des Ardennes, quand soudain, non loin de l'étang du Banel, il aperçoit la lueur de ses phares. Voilà. Ils étaient tous là. Au-dessus. Il y en avait plein partout. À mon avis, au moins une cinquantaine. Ils étaient vert olive, avec les yeux comme nous, mais vraiment le double de nous, et rouge. Et ils n'avaient pas d'oreilles, c'est ça que je n'ai pas compris. Par contre, ils avaient les mains palmées, et ils avaient six doigts. Comme une grenouille, quoi. Mais à part que la tête était plate. Et il faisait quelle taille? À peu près 1m10, 1m30. Effrayé, Dominique Menuge s'enfuit au volant de sa voiture. Il veut faire demi-tour au bord de l'étang. Et là, deuxième rencontre. Ah ben ici, il y en avait une dizaine. Oh, je ne les ai pas comptés, hein, moi, tellement j'avais pas peur. Ils marchaient sur l'eau comme si c'était Jésus. Enfin, moi, je n'ai jamais vu Jésus, hein. Et puis, il y en avait deux, trois là-bas qui étaient en train de faire des prélèvements de sol. Non, mais je vous raconte pas d'histoire, hein. C'est la vérité, ce que je viens de vous dire. Je veux bien vous croire. Et vous êtes jamais revenu ici? Non. Trop peur. Que ça peut être des êtres extraterrestres? Ben, je sais pas, vous avez déjà vu quelqu'un avec la peau verte et puis des yeux rouges? Moi, j'ai jamais vu, moi. Je sais comment c'était. Très bien. Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie? Ah ben moi, pendant 2 ans, j'étais complètement cinglé, hein. Est-ce que vous regrettez d'avoir vécu ça? Non. Non, je voudrais bien le revivre.
Voilà. Moi, au bout de 20 ans... Vous en souvenez bien? Oui. Ça m'a tellement marqué que c'est terrible. Faut le voir pour le croire. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius Deville, de l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses deux passagers. Alors, M. Deville. Alors, j'ai entendu mon chien qui criait, pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. De ce qui s'est passé, j'ai eu deux hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que j'ai pensé... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près, quoi, 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez les nous, ces deux hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Moins haut que la barrière. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Et puis ça, vous voyez, c'est là qu'ils marchent. Là, comme je les vois, là, tous les deux... Et ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras, vous savez. Vous n'avez rien vu? Non, je n'ai rien vu dans les bras. Alors, c'est quand je vois les jambes, parce que je les vois marcher. Et ils couraient, ils marchaient? Non, ils marchaient. Alors, aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8. Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Écoutez, ça, je ne pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures et tout. Non, mais voilà un martien, là, non? Ah non, ça, c'est mon fils, ça, monsieur. L'intérêt de la chose, c'est que ça vous est arrivé en 1954. On peut pas dire que les ovnis étaient à la mode. Comment vous réagissez à ce film que nous venons de voir? Eh ben, je vois qu'on prend les gens pour des dingues. Oui. Déjà, premièrement. Hein. Et deuxièmement, moi, ça fait déjà 25 ans qu'on me prend pour un dingue, alors aujourd'hui, on me prend encore pour un dingue. À la suite du succès obtenu par notre récente enquête chez Marius Deville, nous sommes retournés chez l'homme qui a vu des martiens pour recueillir ses impressions de vedette de l'actualité. Oui, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest? Ah. Mais qu'est-ce que c'est que l'antagoniste? L'antagonisme? Non, mais ouais. Vous savez bien quand même qu'il y a un peu de bagarre, de guerre froide, disons, ouais, entre les Américains et les Russes. Vous savez, moi, dans un sens, je peux vous dire une chose, je m'en fous. Je crois que la presse m'a beaucoup abusé. Oui. Il y a eu des gens qui ont été sincères, d'autres qui n'ont pas été sincères. J'étais heureux avec ma famille, vous voyez, dans ce petit coin. Il a fallu que je voie des ovnis pour être foutu à la porte et tout. Foutu à la porte de l'usine, tout. Rien que des emmerdements, excusez-moi l'expression. Mais faisons à présent un saut de 26 années jusqu'en 1981. Après de patientes recherches, nous avons retrouvé la trace de Marius Deville. Et 26 ans plus tard, il se souvient encore de son étonnante aventure. J'aimerais que l'on revienne 26 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au mois de septembre 54? Ça a été un jour qui est très loin, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je vois ces êtres qui s'approchent de moi. Je suis en vingtaine de mètres et dans un moment, il se passe... presque à côté de moi, je vois que c'est des êtres qui sont petits. Alors là, il est venu quelque chose dans ma tête, peut-être une espèce de rébellion. J'ai voulu me mettre à courir, et de cet engin noir qui se trouvait de l'autre côté, un rayon est sorti, qui m'a complètement paralysé. Vous vous trouviez confronté à un ovni, un atterrissage et à des occupants. Qu'est-ce que vous feriez? Question très délicate. Il faudrait en capturer un. Le problème serait, je crois, de maintenir l'engin en place et d'établir un contact durable.
Y compris par la force? Tout dépend de l'attitude qu'adopteraient ces personnes-là. Éventuellement, ce ne serait pas impossible. Pourquoi pas? C'était le 5 février 1967, à 10h moins le quart du soir. Je ferme la clé. Alors, en me retourne, je mets ma clé à ma poche. Une fois retourné, qu'est-ce que je vois? Un objet qui passe par-dessus le cimetière. J'appelle la patronne. J'ai dit, mais ma petite fille qui était là, je dis, viens vite. Je dis, viens vite voir l'appareil. Viens vite voir l'appareil, un appareil. Mais regarde dans l'engin. Alors, réponds-le. Moi, j'ai vu l'appareil qui descendait là. Qui descendait sur nous. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, ça va brûler la maison et nous avec. Je me suis sauvé dans la cuisine et puis j'ai pas bougé. Il s'est amené dans le jardin. Exactement là. Qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme qui sortait des flammes oranges. Alors, qui a sorti tout à fait à droite. Et puis, il s'est retourné vers moi. Le petit homme, il était comment? Comme un petit cosmonaute, quoi. Mais tout petit. S'il avait un mètre d'auteur, c'est tout ce qu'il peut avoir. Puis tout d'un coup, plomb, il est parti en vitesse dans la direction du sud-ouest. Qui t'amène? Oh, un clown! Lève-toi dedans! À l'envers! Oh. Qui t'a fait? Qui t'a fait comme malheur? Tu me l'as tué, vieux bon Dieu d'assassin! T'as massacré mon meilleur ami! Ida! Allez! Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi, une varquette de printemps, le bac à l'enratif. Vraiment, c'était formidable. Je vois trois personnages qui viennent vers nous, qui traversent les branches, les talus, et ça me semblait aller vite, et pourtant, c'était lent. Ils avaient une taille entre 1m60 et 1m70. Alors, ça paraissait être dans une combinaison comme un bonhomme Michelin. La tête n'était pas difforme, mais c'était, tout ça s'était enveloppé. Et pour moi, je ne voyais ni jambes, ni bras. Mais ce qui était étrange, c'est que c'était vraiment dans la nuit noire et que ça n'éclairait pas. Ils brillaient, mais rien à côté n'était éclairé. Il y en avait un devant et un de chaque côté. Et ils avançaient pas comme des gens. Ils se dandinaient, on aurait dit que c'était synchronisé. On aurait dit quelque chose de pas téléguidé, mais c'était vraiment bien fait. Et on a eu peur parce que ça traversait les branches, ça traversait tout. Et ils venaient vraiment vers nous. Ils ont eu le temps de nous voir comme nous, on les voyait. Et c'est à ce moment-là que mon fils a dit, bon, on va être irradié, il faut s'en aller. Cette musique vous dit sûrement quelque chose, hein? Ta-ta-ta!
Eh bien, sachez qu'il m'a fallu 5 ans de recherche, à moi et à mon ami Cérone, pour la composer à la demande de mon ami Steven Spielberg. Oui, car s'il est un homme qui a su populariser les rencontres du troisième type, c'est bien Steven. Hi, Steve. Et on s'en souvient avec ce très bel extrait. Meowmix brand cat food has the 3 flavors cats love best and tastes so good it's become a universal favorite.